Au début, à chaque fois, quelques personnes s'agroupent, me regardant tirer des canettes par terre, et ils se demandent si je suis sain d'esprit. Après, quand ils voient que Skadi les cherche et les met dans les poubelles, ils se disent « Waouh, trop fort ». Au fur et à mesure que je réalise des tours, acrobaties et des pas de danse avec Skadi, il s'arrête de plus en plus de monde jusqu'à remplir les allées de centaines d'hommes et femmes, tous nous observant. Si je suis avec des amis, eux sont remplis de honte qu'autant de personnes nous regardent, mais pour moi, cela arrive après, quand ils applaudissent. Quand je danse avec mon chien, je suis dans ma bulle, comme si j'étais connecté en Bluetooth avec elle, et il est impossible d'ajouter d'autres dispositifs. Chaque geste de main, petit pas, mouvement de genoux, chaque mot ont un sens pour elle. Et durant ces 5 minutes, je me sens comme un maître d'orchestre, la guidant, elle, la musique, l'art. Moi, je suis concentré pour donner les bons ordres au bon moment, et elle, elle est focalisée sur moi pour savoir ce qu'elle doit faire après chaque mouvement. Sentir autant de connexion avec elle fait que notre relation soit tellement plus forte, comme deux amis qui se raconteraient tous leurs secrets. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais combien de personnes approfondissent réellement cette amitié ?